après on a soif et on a faim. Joue, je râle. Allez. Qui s'amuser, hein, et puis voilà. Ne t'énerve pas, c'est pas bon pour ton cœur. Nous sommes heureux d'être là. Oui, oui. Oh. On est très heureux d'être avec vous. Bravo. Ah non, ils sont pas encore là. Non, ils n'ont pas commencé. Non, mais... On attend. Oh là là. Je ne vous laisse pas partir avant ce soir. Peut-être avant ce soir, faudra-t-il que je parte. Ah, des feuilles. Elles sont d'un blanc vénitien. Regardez-les tomber. Comme elles tombent bien. Dans ce si court trajet, de la branche à la terre, comme elles savent mettre une beauté dernière. Et leur terreur de pourrir sur le sol veulent que cette chute ait la grâce d'un vol. Mélancolique ? On ne pas du tout, Roxane. Allons, laissons tomber les feuilles de platane. Au grand bal chez la reine, on a brûlé dimanche 763 flambeaux de cire blanche. Nos troupes ont battu, dit-on, Jean l'Autrichien. On a pendu quatre sorciers. Le petit chien de Madame d'Asti a dû prendre un cristal. Monsieur de Bergerac, voulez-vous bien vous taire? Il est évanoui, Cyrano. Qu'est-ce quoi? Ce n'est rien. Laissez-moi. Pourtant... Ah, c'est ma blessure d'Arras qui, vous savez, quelquefois... Oh, pauvre ami. Mais cela va passer. Voilà, c'est fini. Chacun de nous a sa blessure. J'ai la mienne. Toujours vive. Elle est là, cette blessure ancienne. Elle est là, sous cette lettre, au papier jaunissant, où l'on peut voir encore... des larmes et du sang. Sa lettre, n'aviez-vous pas dit qu'un jour peut-être vous me la feriez lire? Vous voulez sa lettre? Oui, je veux aujourd'hui. Lisez. Pour ce soir, je crois, ma bien-aimée, j'ai larmes, lourdes encore d'amour inexprimé, et je meurs. Jamais plus, jamais mes yeux grisés, mes regards dont c'était... Comme vous la lisez, sa lettre. Dont c'était les frémissantes fêtes, baiseront au vol les gestes que vous faites. J'en revois un petit qui vous est familier pour toucher votre front. Et je voudrais crier, ma chère, ma chérie, mon trésor, mon amour. Une voix, mais que je n'entends pas pour la première fois. Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde. Je serai et je suis jusque dans l'autre monde. Celui qui vous aima sans mesure, celui... Comment pouvez-vous lire à présent? Il fait nuit. Et depuis 14 ans, il a joué le rôle d'être le vieil ami qui vient pour être drôle. Roxane. C'était vous? Non, Roxane, non. J'aurais dû deviner quand il criait mon nom. Non, ce n'était pas moi. C'était vous? Non, je vous jure. Ah, j'aperçois cette généreuse imposture, les lettres. C'était vous? Non. Ah, que de choses qui sont mortes, qui sont nées. Pourquoi vous êtes tué pendant 14 années, puisque sur cette lettre, pour lui, n'était pour rien. Ses pleurs étaient de vous. Ce sang était le sien. Quelle imprudence! Qui s'est tué, madame, hier, en se levant? Grand Dieu! Mais alors, tout à l'heure, cette faiblesse et cette... C'est vrai. Je n'avais pas terminé ma gazette. Et vendredi 26,
Une heure avant dîner, Monsieur de Bergerac est mort, assassiné. Mais que dit-il ? Cyrano, sa tête enveloppée, mais que vous a-t-on fait ? D'un coup d'épée frappé par un héros, la pointe au cœur. Oui, je disais cela. Le destin est railleur. Je meurs dans une embûche, tué par derrière, par un laquais, d'un coup de bûche. Oh, je tout manquer, même ma mort. Monsieur. Raguenaud, ne pleure pas si fort. Que deviens-tu à présent, mon confrère ? Je suis moucheur de chandelles chez Molière. Molière ? Oui, mais je vais le quitter dès demain. Je suis indigné, monsieur, indigné. Hier, nous avons joué Scarpin, et je me suis aperçu qu'il nous avait volé une scène. La fameuse « Que diable allait-il faire ?» Oui, monsieur, il vous l'a volé, cette scène. Chut, chut, il a bien fait. Ah, la scène, n'est-ce pas, produit beaucoup d'effets. On riait, monsieur. Ah, c'est toute ma vie d'être celui qui souffle et qu'on oublie. Vous souvenez-vous d'un soir où Christian vous parla sous le balcon? Eh bien, toute ma vie est là. Pendant que je restais en bas dans l'ombre noire, d'autres vont t'écueillir le baiser de la gloire. Eh, c'est justice. Et je dis au seuil de mon tombeau, Molière a du génie. Christian était beau. Je vous aime. C'est dans le conte que lorsqu'on dit je t'aime, au prince plein de honte, il voit sa laideur fondre à ses mots de soleil. Mais tu t'apercevrais que je reste pareil. Je fais votre malheur ? Moi ? Vous ? Moi ? Mais non, au contraire, j'ignorais la douceur féminine. Ma mère ne m'a pas trouvé beau. Je suis une sœur. Plus tard, j'ai redouté l'amante à l'œil moqueur. Je vous dois d'avoir eu tout au moins une amie. Grâce à vous, une robe a passé dans ma vie. Je n'aimais qu'un seul être et je le perds deux fois. Ce sont les cadets de Gascogne. Mais aussi, qu'allait-il faire dans cette galère ? Sigy, Hercule Savinien, de Cyrano de Bergerac. Je m'en vais, je ne peux faire attendre. Voyez, le rayon de lune vient me prendre. Je vous jure. Non, pas là, non, pas dans ce fauteuil. Ne me soutenez pas, personne. Rien que l'arbre. Elle vient, je me sens tout beauté de marbre, ganté de plomb, mais puisqu'elle est en chemin, je l'attendrai debout et l'épée à la main. Cyrano. Je crois... Qu'elle regarde mon nez, cette camarde. Que dites-vous ? C'est inutile. Je le sais. Mais on ne se bat pas pour avoir du succès. Non, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Qu'est-ce que c'est que tout cela ? Vous êtes 1000 ? Ah, je vous reconnais, tous mes vieux ennemis. Le mensonge, tiens. Les compromis, les préjugés, les lâchetés. Que je pactise. Jamais. Tu es là, toi, la bêtise. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu,
On salue balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que, sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous, et c'est... C'est... mon panache. Oh, oh. Ça va? Bravo! 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 Bravo!